Hey, salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode sur Agrarian. Il risquerait de durer un peu plus longtemps que les autres, voire un peu plus court. Ça dépend si vous êtes content. Bon, alors, en fait, j'avance un petit peu dans les épisodes. Pourquoi? C'est tout simplement, c'est que j'avais rien d'autre à faire. Je me fais un peu chier, donc du coup, je me suis dit, autant que je fasse quelque chose qui me plaît, qui vous plaira sans doute. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah oui, je suis là. J'ai fait tourner du coup mon réacteur hein, pendant X temps. Et du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai enlevé ce qu'il y a dedans, le cyanite. Et du coup, sur le laser qui est tout là-haut, qui est à la couche 120, il m'a généré tout ceci comme minerai. Et puis en même temps, je reviens. Heureux, j'étais pas en plein écran, c'est pour ça. Là, vous voyez mieux, vous voyez, hein, c'est mieux. Alors, imaginez du coup de la glowstone. On va le faire en mode, voilà, comme ça. Il nous a généré du coal, du lapis, de l'émeraude, de l'or. Ouh, pas mal d'or d'ailleurs, du tin, du lead, du quartz. Oh putain. Ah oui, quand même, hein, il m'a généré masse d'hyalurite quand même. Ferrous, Shiny et Mana Futed, Certus Quartz, cool. De l'ardite, du cobalt, de l'aluminium. D'ailleurs, j'en avais pas déjà, non. De l'émeraude Nether, Lead, du Silver. Oh, c'est pas mal, mais on n'a pas beaucoup, mais c'est pas mal quand même. De la redstone, du diamant, de l'iron, du copper, du silver ingot, sympa. De la glowstone en masse, platinium, ferrous. Sandpaper, cinnabar, amber, apatite, coal. Alors, tout ça vient du nether. Du coal, du diamant, d'iron, de lapis, de la redstone, du copper, du tin, du gold et du gold. Waouh! Eh bah putain, avec tout ça, il a généré quand même pas mal. Bon. Alors, maintenant qu'on a ça, je voudrais bien faire un petit système qui permet plus ou moins que, par exemple, si lui retire du cyanite, hein. Alors il va dans une machine qui le reconvertit directement en fuel. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, déjà, je vais voir si on peut le mettre. On peut le mettre là-haut, c'est parfait. Du coup, le réacteur, là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Du coup, on va passer une version au-dessus, tranquillement. En plus, j'ai pas mal de bois, c'est parfait. C'est nickel chrome d'ailleurs, ça c'est bien. Il y a pas mal de bois qui se sont fait également ici. J'ai laissé tourner. Au moins c'est cool, j'ai plein de rubber. Tac tac tac, et les saplings je les ai pas scannés. Bon, pas grave. Du coup on va retourner niveau du réacteur, donc Big Reactor. Là. Et du coup on va transformer le cyanite en plutonium. Le plutonium, quand vous allez là-dedans, voilà, il nous dit dans le cyanite recompenseur, il faut deux seaux d'eau. Un seau d'eau plutôt, 2 minerais et 2 cyanites égale à plutonium. Et le plutonium, par la suite, vous pouvez faire. Oui, bah ça, c'est pour les turbines. Lol. Vous pouvez justement le remettre dans l'injection ici qui vous permet en fait tout simplement de renvoyer on va dire, du. Comment on pourrait expliquer ça? Renvoyer du. Je suis en train de chercher le nom, hein. Renvoyer du fuel, voilà, tout simplement. J'ai eu du mal, hein. C'est pas très grave. Donc, du coup, on va faire les choses bien, correctement. Du coup, c'est assez simple au niveau du craft en même temps, donc YOLO. Ah, il est où? Eh oh! T'es où? Ah bah non, c'est pas cela. Eh oh, ah bah t'es là. Alors déjà, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Non, il me manque juste une fuel rod. Forcément, j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va chercher notre yellowite, hein, naturellement. Tac, tac, c'est parfait. Et du coup, on va le passer dans ceci, tout simplement. On va en mettre 64. Et hop, en plus c'est bien, ça y va, hein. Tranquillement, ça produit, ça produit, ça produit. Donc c'est parfait. Hop, du coup bah ça c'est cool. On peut en avoir plus autrement, je me rappelle plus. On peut en avoir 3 avec du cinnabar ou du riche slag. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Mais bon, on va le laisser comme c'est. Hop, lui je le remets. Ça se voit que c'est un résonant, hein. Ça y va avec. Mais le four à côté. Hein. J'en chie. Oui, bah oui, je sais, merci. Alors, du coup, Yellorium. On en a là. Hop, une seule, ça suffit. Voilà, cyanide recompresseur. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, il faut de l'eau. Alors, ici, on a encore la mob essence. Ouais. Mais également, il faut de l'eau. On a thermal, donc on peut faire un Aqueous Accumulator. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Coup, Aqueous. Ah. Ah voilà, Aqueous Accumulator. What the f... Ah oui, j'aime dire. Du coup, comme il n'y aura pas en dessous, hop. Il lui faut une source d'eau infinie. Déjà, on va mettre lui là. Ça, c'est obligatoire. On va dire que l'entrée se trouve ici, le rouge. Voilà. La sortie, c'est le vert. Voilà. L'entrée pour l'eau est ici. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal en même temps. Donc, du coup, l'Aqueous se trouvera aussitôt juste en dessous de lui. Hop. Donc, du coup, on va faire les choses simples. Bah, chance. Simple. Voilà. On va faire les choses correctement. Du coup, l'Aqueous se trouve là. Donc, du coup. Si on le colle ici, ça voudrait dire que tac, ça fait ça. Ok, au revoir. Hop. Hop. Mon sac. Il y a de la cobble dedans. Oui. Hop. Et sachant qu'il lui faut de l'énergie aussi. Ça, j'ai pas pensé par contre. Il faut également de l'énergie. Donc, comme il faut de l'énergie. Eh ben, du coup, on va aller faire les choses autrement. Hop, on va laisser ça comme ça. Comme il faut de l'énergie en dessous, on va lui foutre du coup un Tesseract. Avec ce qui rentre dedans, de l'eau, tout simplement. Et en même temps, de l'énergie. En même temps qu'on a fait ça. Tiens, on va même le faire ensemble. Hop. Hop, un seul. Des gears de copper. Voilà, un pneumatique. Un bucket. L'avantage, c'est qu'on peut faire des buckets avec des copper ou du tin. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et tout ça, voilà. Aqueous Accumulator, on est content. Niveau Tesseract, il faut qu'on en refasse. Tesseract. Voilà, on en a deux comme ça. Il me faut de l'underpearl. Naturellement. 1, 2, 3. Ça doit être comme ça. Hop. Il en faut 1000, je crois, pour. Voilà. Je crois qu'il. Ouais, c'est ça. Il en faut 1000 pour qu'il fasse son boulot. Alors c'est un basique, c'est vachement lent, hein. Mais bon, on va dire que c'est plutôt rapide. Du coup, on a ceci. Alors, il en faudrait un pour l'eau. Attendez, il faut voir un truc, c'est qu'au niveau de ce Tesseract, au niveau de la configuration, les fluides n'existent pas. Donc, comme il n'existe pas de fluide, c'est parfait. On va lui foutre en sorte que justement ce Tesseract puisse avoir de l'eau. En conséquence, hein, c'est plutôt important. Mais du coup, on va lui mettre une source d'eau par en dessous. C'est-à-dire que, on va dire plutôt par ici. Comme ça, je lui fous un tuyau et c'est quand même nettement mieux.
What the fuck? Eh, tu m'aspires pas l'eau qu'il y a ici, j'espère. Genre, il n'y a pas besoin d'eau. What? Il n'y a pas besoin d'eau. What the fuck? Hey, les mecs, y a même pas besoin d'eau. What? Donc en clair, s'il n'y a pas besoin d'eau, j'ai pas besoin de me faire chier avec tout ça. On va le passer au-dessus du coup. On va faire une Electrum Gear. Ah bah j'en ai une. Ouais bah parfait, tiens. Hop. Oui. Hop, au-dessus. Donc du coup, ça veut dire que quand je mets l'eau comme ça. Ouais, c'est chelou les mecs, hein, quand même. Bon, enfin bref, on a trouvé un truc super bien. Et putain, il y a de l'eau ici. Ah, j'ai pas pensé à ça, mais il y a l'eau. Il y a l'eau ici. Donc du coup, un fluide duck et YOLO. Fluide duck. Ah bah non. Non. Bon bah con, c'est con. Donc ça veut dire que ça, bah voilà, ça se remplit directement ici. Oh mais c'est parfait alors. Bah plus ou moins parfait parce que l'énergie tu lui fous par contre. Ça j'ai pas pensé. Donc en clair il faut quand même un tesseract. Donc du coup, comme il faut un tesseract, je vais lui foutre ça. Au cul, voilà, tranquille. Tranquillou. Hop, et du coup, bah, j'ai juste à en récupérer un autre Tesseract, en fait, tout simplement. Juste à récupérer un Tesseract qui se trouve ici. Ouais, il y en a deux, c'est parfait. Et en fait, on fait en sorte que... Ah mince, il me manque du silver. Oh, silver! Le silver, il y en a plus, mon Dieu. Du silver. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est du silver quand même. Et on pulvérise. Oui. Silvure. Voilà, il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Tac, tac. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un Tesseract. Du coup, au niveau de la configuration de ce Tesseract... On va faire que les items, on s'en fout. Le fluide, on reçoit. Et l'énergie, on reçoit. Et on se met sur cette catégorie. Du coup, lui, on lui dit que le fluide, tu envoies le fluide. Donc, du coup, il va envoyer du fluide. Donc, du coup. Pouf. Bah, du coup, on va se foutre en dessous. Tac. 1, il reçoit pas du tout d'énergie. 2, il reçoit de l'eau. C'est vrai qu'il reçoit pas d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'énergie. C'est con, hein? C'est con, c'est con. Ouais, bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On peut lui mettre un petit panneau solaire, hein, pour la peine. Franchement, en mode, mode coucou, je suis là quand même, mais... Ouais, c'est bon. Bah on va lui foutre un petit panneau solaire. Ça sert trop à rien de mettre trop en fait. Solar. Là, c'est un solaire 2. Ça produit 16, ça transfère 120 W. C'est parfait. Voilà, ça produit tranquillement. Ça produit pas mal. Hop, on va injecter le cyanite. Vous voyez, ça bouffe déjà 2000 cash. Du coup, ça produit, ça produit, ça produit. On va du coup faire deux transferts nodes. Pourquoi les transferts nodes? Vous allez voir très vite. Transfert node. Voilà, en version item de préférence. Hop. Transfert. Oui. Voilà, tout simplement. Donc ça se fait ici. Donc voilà, on a deux déjà plutonium. On va faire en sorte que lui, il prenne directement le plutonium. Et ici, on fait ça. Ah oui, non, mais on le fout pas là-dedans, toi, t'es fou. On va pas le foutre là-dedans. Me faut un transfert pipe aussi. Bah, deux.
Oui. Donc du coup, en fait, ce que je veux faire, c'est que j'essaye de d'envoyer ça. Ouais, d'accord, on peut l'envoyer qu'ici. Ouais, il le rentre directement et du coup, je peux le réinjecter directement. Ah oui, non, mais je m'en fous de ça. Ouais, on va dire qu'il trouve le chemin facilement quand même. Du coup, ici, il y en a plus. Et là, on va voir s'il trouve directement. Ouais, c'est bon, il trouve directement. Il n'y a aucun souci. On peut même le vérifier ici, hein, tout simplement. C'est 7. On attend quelques secondes et puis normalement, ça doit arriver au-dessus de 19 ou 18. Ouais, c'est bon. Donc, il trouve le chemin. Donc, c'est parfait. Donc ça, par exemple, on peut le laisser, on s'en fout aussi. Parce qu'en fait, les transferts pas, ils ne transfèrent aussi de l'énergie. Mais on peut faire en sorte que, par exemple, il ne transfère que les liquides. Normalement, c'est ça. Filter. Ouais, off. On va dire que ça fait la même chose. Hop, tout court, donc du coup ça il a de l'énergie, là tranquillement. Et ça, bah du coup on peut le laisser tourner. Tic. Ça va générer petit à petit, mais ça va générer des choses. Donc c'est plutôt un bon point. Et du coup, Yellowrite, on va voir ce qu'on va mettre dans le réseau. Du coup. Yellowrite. Ah oui, on a largement ce qu'il faut. Largement ce qu'il faut. Hop. L'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut mélanger en fait les deux items en fait. Dommage que je peux pas en fait le réinjecter dedans ça. En fait, la yellowite, on s'en fout un peu du coup. Avant, en fait, au niveau de Big Reactor, avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il fallait qu'il soit vidé complètement en, par exemple, en Yellorium, avant de pouvoir y injecter du Plutonium. Cependant, ils ont fait la modif, bah, il a fait la modif plutôt, et du coup, on peut mettre les deux d'un coup directement, sans se casser les pompons à faire tout le tralala. Donc voilà, sur ce point, on est plutôt tranquille. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, on va déjà voir au niveau des quêtes ce qu'il y a encore à faire. Oui, il y avait une autre quête que je voulais faire. Bon, pas BN3 parce qu'on s'en fout un peu pour l'instant. Au niveau d'Apply, ça va se débloquer avec des quêtes. On va avoir 1000 de cyanite, ouais, cool. Des solars, on peut en avoir 300 de un seul. Ouais, bah, ça coûte extrêmement cher. On peut avoir 1000 de pur Certus Quartz, ça c'est trop facile à avoir. Mais bon, ça, on les fera plus tard. Il y a Thaumaturgie qu'il faudrait qu'on continue un petit peu. Peut-être avec vous, ça pourrait être sympa. Il y a des trucs que je ne connais absolument pas, hein, surtout la note création de matrice. Oui, bah oui, c'était vrai. Je ne connais absolument pas comment ça fonctionne. Absolument pas. Les Blitz. On peut avoir des Blitz et ça pourrait m'arranger. En tout cas, les Blitz pour avoir des câbles d'énergie overpété, mais bon, ça on y reviendra plus tard. Magic Blood, il faudrait qu'on commence plutôt parce que le mode était buggé. Bah, il est buggé plutôt. Et du coup, laser, ah, il nous demande des laser mining. Ah, d'accord, il nous demande des focus, focus de raid et focus white. Ouais. Focus red, focus white. Ah oui, il y avait un problème avec les carreaux. Ah, c'est chiant ça, par contre. Du coup, bah, là, il y a de l'énergie qui stocke. Pourquoi il y a de l'énergie qui stocke? Je comprends pas. Pourquoi il y a de l'énergie qui stocke? On va monter.
Non, ça travaille. C'est bizarre. Oui. En fait, je produis plus que je ne consomme. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est vraiment, vraiment bizarre. Pourtant, t'es sérieux que c'est qu'à 20 000, quoi. Et là, j'ai pas l'impression qu'il veuille. Oh, c'est pas très grave au pire. C'est pas ça le souci. On va replanter nos arbres, nous. On va replanter nos arbres. C'est important de replanter nos arbres. Voilà, comme ça va pousser, ça va être content. Ouais, tout content, moi aussi. Du coup, au niveau de ça, c'est bon. Bah ça, je vais le laisser tourner. Je comprends pas pourquoi l'énergie augmente, par contre. Donc, je vais peut-être baisser un petit peu la rod de 20% centrale. Du coup, je produis moins. Et ça devrait fonctionner. Du coup, bah en fait, ça augmente toujours. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est les mettre à 20% sur 3. Ça augmente toujours. Ouais, bon, de toute façon, une fois qu'on va mettre notre réseau, ça va être cool. Du coup. C'est bien beau notre réseau à plat, là il est super bien, il est sympa et tout. Mais je voudrais bien quand même quelque chose d'un petit peu plus efficace que ça. Vraiment le rendre nettement plus rapide et autonome. Donc du coup on va passer à notre version à plat supérieure. Je prépare un petit peu tous les crafts en off et puis j'arrive vers vous pour faire tout ça. Hey, yep tout le monde et bienvenue pour ce Agrarian Sky et je continue naturellement. Bon, alors, il s'est avéré qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Vous pouvez voir sur la carte actuellement ici qu'il y a un petit aperçu supplémentaire. Bon, avec une petite case là. Alors, mon réseau Applied, je l'ai complètement modifié. Je l'ai fait off parce que c'est assez complexe. J'ai fait ça pendant toute une nuit en fait. Parce que la nuit, je suis nettement plus productif qu'autre chose. Naturellement. Donc, du coup, bah, je me suis amusé un petit peu à faire mon Applied. J'ai déplacé les machines. J'en ai laissé ici parce que j'ai encore des choses à faire là. Donc, c'est pour ça. Mais concernant un petit peu Applied, voici ce que j'ai pondu. Voilà. J'ai fait ça pendant une nuit en fait. J'ai fait du Botania parce que je trouvais ça la maison plutôt classe et en même temps ça fait totem au milieu, c'est super classe. Je verrai pour mettre un beacon au-dessus pour dire coucou, c'est moi, je suis big par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Alors, le laser produit super bien. Même il produit nettement plus que prévu en fait, là actuellement. Donc. Au niveau des fioles, j'ai tous mis à ça, donc je vais modifier, je vais le passer à 30%. Ah bah salut le squid qui est noyé, très bien. Ah ça continue encore pourtant, c'est assez chelou d'ailleurs. Ça va, c'est avec modération là. Tiens, je vais passer le cœur à 0 à 50. Voilà, ça réduit, je vais passer à 40, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, il s'équilibre. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est tout ce que je veux. Ça fait 28, 29, 28, 29, donc c'est super intéressant. Cool. Donc du coup, tout passé à 30 et lui passé à 40 et ça nous fait une production de 3,5. Bon, ça va. De 3,3. Du coup, au niveau de la maison, ce que ça donne, bah voilà. Hein. Bon, il y a encore quelques machines devant, c'est tout à fait normal. Hein, parce que je suis en train de faire des crafts en même temps. J'ai fait du coup du botania, j'ai mis les pylônes tranquillement, hein, des maisons, voilà. Des piles en quartz version violet, version bleu et version rose. En fait, c'est des poutres de blaze avec du quartz. Ici, c'est du quartz dans le mana. Ici, c'est des fleurs avec du quartz.
Voilà. Et du coup, de l'intérieur, bah, j'ai posé mes machines d'Applied, hein, tranquillement. J'ai tout fait en off. C'est nettement préférable parce que c'était chiant et long et la farm. Donc du coup, tout ça, c'est bon. Dans les pièces au-dessus, je ferai peut-être un réseau supplémentaire. J'ai bien dit supplémentaire. Là, bah, pour l'instant, je n'ai rien fait, mais je trouve que ça rend plutôt chouette. On peut voir justement de l'extérieur ce que ça donne. C'est plutôt agréable. Avec un petit escalier qui nous descend de l'autre côté. Hop, du coup, on va passer par l'autre côté. Hop. J'ai fait des entrées sur les côtés pour accéder à la salle de multiserveur, en fait. Ici, je pourrais mettre un autre drive. Hein, c'est juste pour faire un rangement au niveau du drive. C'est pas grave. Mais oui, la vache, oui, c'est cool. J'ai fait des piliers pour côté déco et décalage en renfort au niveau bah, justement des piliers pour pas que ça traîne en hauteur constamment. J'ai fait passer des câbles, donc il y aura des façades qui se mettront plus tard, naturellement. J'ai mis des piliers, j'ai resté symétrique, tout va bien. Au niveau du 2 à plaque en dessous, bah, j'ai passé ça en dessous. Peut-être que par la suite je ferai en sorte que tout ça soit déplacé plus loin. Je verrai. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Et puis au niveau du câble, on est plutôt tranquille. J'ai fait passer du coup des câbles standards ici pour que ça soit relié avec ça, naturellement. Me contrôleur tranquillement. J'ai pas encore débloqué l'achievement comme quoi je passe au 128 channel. J'ai pas réussi encore à l'avoir, mais bon, au fil et à mesure du temps que je vais construire justement ça, ça va nettement de toute façon améliorer le rendu, donc on va être tranquille. Par la même occasion, au niveau de notre câble, je le fais passer dans mon réseau là, qui se fait ensuite repasser par ici, donc pour connecter les autres CPU. Donc c'est du 1K, 4K, 60, 16K. 64K, je ne sais pas si je vais le mettre maintenant. Je ne pense pas. Personnellement, je ne le pense pas. Je verrai éventuellement pour en mettre un ou deux plus loin, ou voire en dessous. Je peux peut-être faire encore une autre salle en dessous. Je verrai au moment venu. Au niveau du réseau, on est tranquille. Donc du coup, il y a 3-4 channels. Un P2P qui fait passer directement sur du dense. Comme ça, on peut le faire. En fait, ça prend qu'un seul canal, mais on peut en mettre 32 au-dessus. C'est plutôt un bon point. Du fait que c'est relié par des denses en dessous, donc on est tranquille. Donc du coup, voilà, au niveau de mes réseaux, c'est parfait. J'ai fait un système qui permet de prendre de la cobble, de le mettre en gravier, de le mettre en sable et en dust. Donc au fur et à mesure que lui il est plein, va passer à lui, qui va être plein, qui passe à lui, et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça je fais. Et puis pour l'excédent qu'il y a derrière, je fais juste un réseau, tac, et tac. Voilà. Et j'en ai marre de bailler. Du coup, hop, donc ça c'est un petit peu sympa au niveau de mon réseau Applied, je suis plutôt content, plutôt fier. Il y a pas mal de réseaux qui sont déjà en craft auto. Donc ça fait plaisir d'avoir un Applied plutôt correct. Cependant, vous voyez, j'en ai marre un petit peu de faire tout le tour constamment pour accéder directement aux machines. Donc c'est plutôt chiant. Donc c'est l'avantage justement qu'on va se faire là actuellement. C'est que on va passer comment? Sting. Justement, j'en ai marre de faire le tour, donc du coup, je vais passer directement par un cube qui permet de faire monter en haut. Oui, tu montes pas en bas. Mais voilà, pour cela, il nous faut tout simplement, on va changer de mode. Ça sera pas du apply, il n'y a pas open block, donc il n'y a pas les elevators. Donc, ce qui est un peu dommage, mais disons que c'est plutôt fun quand même, c'est qu'on va repasser à du Tomcraft pour l'instant. Tout simplement, ça va nous permettre de crafter un bloc en particulier. Coucou la vache. Hop. Du coup, on va reprendre notre armure. Pouf. On voit les faisceaux. Pas. Pi. Hop. Voilà.
Voilà. C'est assez chelou, mais ça marche. Du coup, au niveau de ça, bon, il nous faut bien sûr une baguette, tout ce tralala, on connaît déjà. J'ai ma baguette, j'ai le tomium, j'ai ceci. Ça va me permettre pas mal de choses. Et ça, je peux laisser parce que j'en ai un peu rien à faire. Du coup, au niveau de Tomcraft, ce qu'on a à faire. Ah oui, il y avait ça qu'on devait faire un jour. Mais on y attendra parce que de 1200 d'ignis YOLO, quoi. Ça fait une note super cool. Ah, ça permet de ravoir des notes standards, ça. Ok. Ah, c'est sympa. C'est sympatoche. Bon, il faut 150 de chaque. Mais c'est sympa. C'est sympa. Du coup, c'est pas ça qu'on devait faire. Dans l'alchimie, je crois. Oui, c'est ça. Il me faut un arcade lévitateur. C'est ce qui va me permettre de me faire voler. Du coup, Nitor, Airshard. Airshard. Orchard, Unitor. J'ai plus de Nitor. Fuck. J'ai plus de Nitor. Je sais qu'il me faut ça avec ça. Hop, voilà. Donc, Igni, donc, Coal et Torche. 1, 2, 3. What? Il n'y a plus d'animation. C'est pas grave. Me faut du Coal. Me faut du Coal. Ou du charcoal en même temps. Hein. C'est pas ce qui est le pire. Faisons cuire tout ça. Voilà, il m'en faut juste deux en fait. Hein. Bon, je vais attendre. Voilà. Il me faut juste deux comme ça. Un, deux. Voilà. Hop. Donc du coup, bah ça va se remplir du coup petit à petit. Le fait qu'il va là. Évidemment que non, sinon c'est pas drôle. Oui, un Nitor. Oui. Hop, on repasse ici du coup. On regarde à nouveau le craft de fer et de greatwood. Ok. J'ai mes deux fers et j'ai mes 4 de greatwood, donc c'est parfait. Tac. Et tac. Arcade Levitator, oui! Ouais! Hop, l'arcade Levitator, bon bah du coup maintenant j'en ai plus besoin, j'ai plus besoin de ça. Donc hop, on va du coup mettre ce qu'il faut là-bas. On va prendre ça. Et on va à la maison. Hop là, oui! Waouh, putain, ça va super haut, on peut faire 2 étages. Oh, c'est cool! Bon, dommage pour le troisième, mais c'est cool. Je suis en lévitation là. Je suis. Oui. Et pour descendre, vous appuyez sur Shift, tout simplement. Et on peut pas tomber de chute parce que ça a un amorti. Oui. Hop. Bon, à part là, mais. Oui. Bon, bah voilà. Je me suis tâté. Bon, par contre, pour descendre, c'est un peu plus chiant, par contre. Mais bon, on va dire que c'est sympa. Du coup, bah, ceci étant fait, ça va clôturer en fait l'épisode juste d'avant. Parce que je n'ai rien d'autre à préparer pour l'instant. Ça viendra naturellement plus tard. C'est juste que je dois encore gober d'un petit peu mon réseau à play. Ce genre de choses. Mais au niveau du réacteur, on est plutôt pas mal là. Donc ça descend plutôt bien. Voilà, sur ce, bah, bisous tout le monde et puis à la prochaine.